fait les portraits. Vous connaissez Philippe Chevalier, oui, évidemment. Qui ne connaît pas Philippe Chevalier? Tout le monde le connaît, il est universel. C'est incroyable. Je vois dans mon immeuble, tout le monde me connaît. Voilà. Et alors, il portraitise les invités. Parfois, les invités découvrent des pans entiers de leur vie jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en fait, il s'est trompé d'invité. Ça peut arriver, mais là, à mon avis, il vous connaît bien. Je fais toujours mouche. Alors là, je vais commencer comme ça. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ah. Bon. Oui. Oh là là. J'ai péché. Oui, je suis un scélérat. Honte à moi, cher Didier Van Kovelaert. Oh putain, il va nous faire toute la messe. Une heure et demie, là, de messe. Tant qu'il se flagelle pas. Ah non, mais on commence un peu dans le solennel. Hein. Bon. Moi qui suis un lecteur assidu, qui possède une bibliothèque qui pourrait largement faire la nique à celle du Sénat, qui suis un véritable collectionneur de beaux textes, de livres rares, j'ai même un incunable. Et je peux vous dire qu'un incunable, quand c'est mal placé, ça fait mal. Ah bah oui, c'est avec du Claudel, là, c'est ça. J'ai toute la collection de Marguerite Duras chez Reader's Digest. Raider. Et malgré ça, faut quand même se l'avaler. Hein. Et tu as quel âge? J'ai tous les oui-oui. Ah oui? Oui. Non. Oui-oui et le champignon jaune. Oui-oui, prends le train, il a de la chance, oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de grève. Et t'as les Sissi aussi? J'ai pas les Sissi. Ah, t'as les oui-oui, mais pas les Sissi. J'ai les oui-oui, mais j'ai pas les Sissi. Et j'ai pas les non-non non plus, mais j'ai attention. J'ai oui-oui, ça c'est fabuleux, et le Godemichet magique. Oh non! Philippe. Ah si, c'est vrai, c'est bien. Ah non. J'ai tous les éditoriaux du Nouvel Observateur écrits par Jean Daniel, mais pas en version originale, malheureusement traduit en français. Si, c'est une forme de Godemichet magique. C'est rare, c'est rare. Ah, bref, je suis... Oui, les Godemichet magiques. Oui, c'est merveilleux. C'est ça qu'il m'avait prêté. Et si j'ose dire, ça passe partout. Mais exactement. Exactement. Bref, je suis, c'est un livre à clé. Comme je suis, comme on dit à Saint-Germain-des-Prés ou au marché aux bestiaux d'Ouzouer-la-Ferrière, je suis quelqu'un qui compte. Eh bien, malgré ça. Je l'avoue, cher Didier, je n'ai pas été dans ma pauvre existence en mesure d'avoir lu une seule ligne de votre prose, pourtant si prolifique et si réputée. Oh la honte, ouh! Oh la honte! Ouh. Ah, la faute à qui, me direz-vous? Au Godemichet! Non! Ça t'a occupé? Ça prend de l'espace? Me direz-vous? Oui. Me le direz-vous, Didier, la faute? Mais oui! Oui. Bah, au Godemichet, oui. Non. Un coup dans l'œil. Me le direz-vous? Un coup dans l'œil. Eh ben, je vais vous le dire. C'est la faute à Jérôme. Quoi? Oh, le sus. Le sus nommé. Qui m'avait dit en début de semaine, notre invité, c'est Jean-Michel Apathy. Ah oui? Il me dit, c'est Jean-Michel Apathy. Alors moi, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je me plonge dans la vie du susdit. Jean-Michel, j'achète tous ses disques. Je suis des cours d'accent basque à l'école des langues orientales. J'essaie de l'imiter. Je me rencarde d'ailleurs auprès de Laurent Gérard qui me donne quelques tuyaux, qui me dit, il faut dire, alors je m'entraîne dans les dîners en ville, il faut dire... Je crois comprendre, madame. Oh là là. Non, ça y est, il t'a fait Charles Pasqua, parce que quand il fait Jean-Michel Apathy, je te jure que c'est mieux que ça. Ah bon? Bon, enfin, je crois comprendre. Et, ou Jean Lassalle. Ou Jean Lassalle, c'est pas grave. Ouais. C'est le Sud. Ouais. Oui, mais il dit toujours je crois comprendre. Ouais, je crois comprendre. Et là, tout de go, pas plus tard que la veille au soir, coup de fil de Jérôme très désinvolte, Apathy ne viendra pas. Et d'ailleurs, effectivement, il n'est pas venu. S'il est venu, il a pâti. Il est peut-être venu, mais il a pâti. Quand je pense, Didier, que vous faites le même métier, il est auteur aussi. Donc. Et qu'est-ce qui en a pâti, c'est moi. Justement. Oui, mais. Justement, vous n'en pâtissez pas. Vous allez en sortir grandi. Bon. Mettez-vous à ma place. Il a fallu qu'en un tournement, je fusse digne de ma réputation de portraitiste, et je crois, cher Didier, que vous ne serez pas déçu. Je commence donc. Parce que ça, c'était l'introduction. C'était le lancement, ça. Heureusement, le lecteur du Godemichet magique. Ouais. Si toutes tes introductions sont aussi longues... Ou l'introïte. Si toutes les introductions sont aussi longues... Tout jeune... La dame est partie depuis longtemps. Ah ouais. Oui. Tout jeune, déjà, vous écrivez dès votre plus jeune âge.
Oh, c'est pas possible. Non, et Philippe, c'est rémunéré, cet emploi, enfin, je veux dire. Car vous voulez, à l'instar de Victor Hugo qui déclarait « Je veux être Chateaubriand ou rien », ah ben c'est vrai qu'à l'époque, les jeunes, attention, ils avaient de l'ambition, hein, c'est pas comme maintenant. Bah, hein. Ils veulent tout de suite avoir la mobilette et le grille-pain tout cuit dans la bouche. Bon. Entre nous, d'ailleurs, tout ça, je pense que c'est la faute à Cohn-Bendit. Mais enfin, bref. Vous voulez, vous, dites-vous... C'est n'importe quoi. Mais non, mais j'arrive au sujet principal. Oui, oui, mais s'il vous plaît, ouais. Vous voulez, cher Didier, être, je cite, le plus jeune écrivain du monde. C'est vrai. Ah. C'est pas vrai ce que je dis ? C'est le plus jeune publié. Parce que... Eh oui. Bah, moi, j'ai lu dans l'ouvrage de référence qui vous est consacré... Wikipédia. Vous vouliez être le plus jeune écrivain du monde. C'est oui, vraiment un escroc, parce que j'ai... du roman publié, voilà, parce que... J'ai lu la même chose. Oui. Sans doute, pour faire la nique à Ninou Drouet, ah, qui n'est pas d'ailleurs la fille de Victor qu'il aurait pu avoir avec Juliette Drouet si elle avait gardé le nom de sa mère, et même si l'on sait que le père Hugo aimait beaucoup le minou de Juliette. Il aimait le minou troué. Ouais. Oui. Non. Non, on parle de littérature. Non, mais non. Ah, c'est de la littérature, ce que tu nous oui, fais. Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, d'accord. Car, comme disait Où est donc Orny, vous, les écrivains, êtes peu nombreux sur le marché du prodige juvénile. Il y a toujours eu pléthore de petits singes chavants, du piano, du violon, de la danse acrobatique ou du tambourin en avant les castagnettes. Oh, regardez comme il chante bien, comme il joue bien de son instrument, comme il dessine bien la trompe de l'éléphant, on dirait ça à la papa. Mais pour la littérature, c'est une autre chanson. Car c'est le cerveau qui travaille, l'imagination et la création pure. Dès l'âge de 10 ans, cher Didier Van Cauwelaert, vous envoyez vos romans aux maisons d'édition qui les refusent les uns après les autres, ou les unes après les autres, c'est pareil, d'un geste contempteur. Oh, les pauvres, oh, les imbéciles, ne pas voir le talent et l'argent là où qu'elle est. Ça va, Philippe? En oui. Ce moment, non, mais faut se confier maintenant. Mais c'est mal vous connaître, Didier. Vous persistez et signez, et à 22 ans, votre énième histoire est enfin publiée, à 22 ans. Puis, là, à la trentaine encore incertaine, car vous faites beaucoup moins, c'est le prix Goncourt pour un aller simple. Tout jeune déjà, vous êtes sur les sentiers d'une gloire qui ira grandissant. Prix du théâtre de l'Académie française, prix Roger Nimier. En 1986, ça c'est intéressant, je m'y arrête deux secondes, prix Gutenberg du livre pour Les vacances du fantôme. Alors ça c'est amusant parce que le prix Gutenberg du livre, on se demande pourquoi d'autre que pour un livre, il y aurait le prix Gutenberg. Oui. Par exemple, le prix Camembert, par exemple, ce sera forcément pour un fromage, pas pour un dentifrice. Ouais. Donc, le prix Gutenberg... Ouais. C'est un tel... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait forte impression. Bien sûr. Alors... Il devient de plus en plus fou. En fait. Et... Qu'il est... C'est de l'art contemporain. Il est... Moi, j'ai l'impression... Et grâce à nos impayables cousins du Québec, qui vous gratifient en 2014, ça, c'est quand même croquignolet... Ah oui. Du prix annuel du roman du club des irrésistibles des bibliothèques de Montréal. Ah, c'est vrai, ça existe, ça. Ben, je l'ai appris, oui. Oui, oui. Vous l'apprenez ce soir. Vous l'apprenez ce soir. Non, non, je... Ah, bon, vous me l'ont remis, vous, oui. Vous étiez quand même... Vous avez donné une vraie information. C'est la première fois. En 2 ans d'émission, c'est la première fois qu'il donne une vraie information. Non, non, bah, je m'en aime. Donc vous êtes, cher Didier Van Cauwelaert, la preuve vivante, en tout cas, avec votre très émouvant retour de Gilles, que la vie d'écrivain, pour vous, est loin d'être une vie de chien. Oh! Eh oui, parce que le retour de Jules parlait d'un chien. Ça, il fallait le savoir. Bravo! Ça veut dire qu'il vous a lu. Je pense que, quand même, ouais, je n'ai pas dit de bêtises. C'est pas mal. Et c'est complet. Et, alors, et ce sera certainement complet le vendredi 27 avril. Oui. Tu vois le sens de la transition? Oh, c'est merveilleux.